Je sais pas pourquoi, il y a eu un bug, la diffusion s'est arrêtée. Je peux pas chasser à main nue. Ah bon? Il faut que je trouve une arme. Voilà. Je peux y arriver. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Rance. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Moi, je sais pas entrer. Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. Ouais. Y a pas un moyen d'entrer dedans? Ça, je peux rester ici. Ah, c'est des longs trucs quand même. Hein. Ah, là-bas il y a des trucs. Ça a recommencé. Le soldat Kosuke. Il était de garde la nuit dernière. Personne n'a rien entendu. Et ce matin, on l'a retrouvé avec son casque. Aucune trace de combat, pas de sang, pas de balle. Après. Là, je regarde un peu par là. Je vais faire regarder un peu. Ça, ça doit être pour se faire en train de perdre des arts, des flèches plutôt. Je peux pas les ramasser. Je suis sûr de l'avoir touché. Ok. Désolé. Ah!
Bon, retour au camp. Alors... Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, okay, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Question, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Est-ce que l'on peut... On peut pas ouvrir cette porte? Je me demande. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Ah, bébé, on peut? Ouais. Je suis contrôlé par là-bas. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai fait comprendre. Allez. Ouais. Ah, j'ai fait tout ça, mais je comprends, hein. Ouais, j'espère n'avoir rien oublié, ça fait. Dans le menu, ok, des points de compétence. Alors j'ai un point de compétence. Vous gagnez des récompenses en fouillant. Une observation au avantage de mieux les solutions. Vous gagnez des récompenses fouillant les cadavres de l'île. Fouillez caisse et cache pour un. Percepteur, fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour le matériel qui peut rentrer. Les archers récupèrent des flèches à cadavres d'animaux. Comprends pas? Fouillez les cadavres, des ennemis ou des animaux tués, par les flèches, voilà. Salut. Ok. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross! Lara! Tu es en vie! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non! Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute.
Tout ça, c'est ma Lara, faute. Écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était c'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. On va changer de la batterie. Non. Ok, il faut partir par là-bas. Alors, bon. Pourquoi il m'ouvre mon... La musique. Ah. Eh oh. La porte est en train de... Eh oh. Il y a quelqu'un? Je vais passer par là. C'est pas vrai. Je disais que c'était pas restaurant justement. Sauvegarde, si jamais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh non, c'est de la folie. Ce masque de nom traditionnel représente une méchante femme. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Il me faut quelque chose pour ouvrir. J'ai pris il dans faut la... quelque chose pour ouvrir. Non. C'est glauque tout ça. C'est ça. La deuxième arme. Violet. Je ne peux pas faire ça. Alors, je ne peux pas tirer ton arc. Ok. Je monte tout ça. Attends, c'est pas là, c'est d'où je viens. Non, pourquoi il m'ouvre le menu? Non.
Ranger torche. Ranger torche. Ok, bon, je peux pas. Vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Himiko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Himiko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Himiko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes jusqu'au mer et au-delà. Mais que lui est-il arrivé ? Endormi. Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Merde. Une libération. Sam ! Encore moins rassurant. Avec vous ? Elle était avec toi ? Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Très cliché, hein. Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Oh.
Très bien. Ne bougez pas. Je vais... Attends de boire un verre avec tes animations. Ok. Ouais, juste le temps. C'est pas si mal. Ah, ok. Voilà. Voilà. Attends, ça, je peux pas faire quelque chose avec ça. Il vous faut du feu pour enflammer ma... Je peux pas me faire du feu avec ça. Par où commencer? Alors, compétence... Non, c'est juste parce que je peux pas me faire du feu. Ah bah, il y a du feu. Ah, là, il y a une pièce. Violet trop fragile. Ok, bon. Là-haut, j'ai trouvé quelque chose. Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline. Cherchez le grand portail. Montez sur la colline, cherchez le grand portail. Ok. Alors déjà, moi, j'ai envie de tester ça. Brûler. Des matériaux, ok. Alors on verra pour améliorer vos armes. Ah, une. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko. Ok, bon. Je comprends pas pourquoi ça se sent tout seul, hein. Ok, bon, avançons. Donc là, je peux pas mon piolet pour. Je sais pas pourquoi du tout. Ah, j'ai vu des arcs. Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. C'est de l'autre côté, mais moi j'ai... Ah non, c'est pareil, je viens de bouger. Ok, j'ai rien dit, on remonte. Mais arrête, je sais pas d'où. Ça va nous permettre d'améliorer nos armes, je suppose. Ah, ah merde, j'ai déjà un bloc en termes de munitions. Ok. Déjà vu. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. Mmh. Un pendu? On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Ça me rappelle un peu dans la momie.
ensemble. Genre, c'est juste un livre, il faut pas le lire. C'est pas assez solide. Ouais. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Récupérer des matériaux pour améliorer. Ouais. Si, si, j'avais pas vu. Mais. Il est trop fragile. Ouais. Ah, là, il y a un truc. Materasu, c'est possible. C'est possible. Là-bas, il y a une boîte à outils. Reculez ! Oh merde ! Bon. Voilà, ça devrait suffire. Ouais, voilà. Mais moi j'en ai bien haut. Bien haut. Ouais. Voilà. Ah, attends. Il y a un truc là-bas. Lara est en pleine crise de confiance. Alors j'essaie. Lara est en pleine crise de confiance. Ok. Ça tombe beaucoup. Secret. Oula. Donc on tombe sur personne. Bon, je sens qu'on va avoir besoin de feu. Du feu, du feu. Ça, ça marche, hein. Servir de rampe.
moyen de la remonter. Je ne comprends pas, je ne peux pas tirer. J'entends tirer, oui, ça le fait. Ça devrait aller. Alors lequel? Ah, celui-ci. Ouais. Oh, wow. Ça m'a été. En celui-ci, mais lui, je ne sais pas. Il y a un truc par là. Non. Et maintenant. Ce tissu doit être inflammable. Ce tissu doit être inflammable. Ça me donne des idées, ça. Là, je peux pas l'ouvrir. Je prends qu'un seul truc, tombeau pillé. Attends, ok. Rien d'autre à récupérer. Bon,
Rentrons. Et rentrons. Avançons. Elle marche sans quoi quand même Lara, hein. Pas pour dire. Déjà c'est pas genre la Lara Croft qu'on peut voir dans les films. Hein. Mais franchement je ne sais pas du tout pourquoi ça se s'allume. Hein. Ok. Allez, tombeau découverte, on va piller, il doit y en avoir d'autres des tombeaux, je suppose. Ok. Mais... Encore ? Ah, purée, t'es là. Là, je l'ai tué. Ah, à chaque fois que je passe... par où je dois aller? Ah, le pont. Là, il y avait un truc sur le pont. Je sais pas comment prendre le truc qui est miné. Bon là j'ai assez d'outils donc pour aller améliorer notre piolet. C'est par là. Je me dis pas qu'il y a encore des loups. Oh putain. Chiant, hein, c'est bon. Et je vais encore en avoir quand je vais repartir, je crois. Voilà, ça devrait suffire. Mais c'est ça? Attends, mais c'est... Je suis revenu où on était? Oh merde. Putain, je me perds avec tout ça. Il est où la carte? Carte? Non. C'est là. Ah bah c'est ok. Alors, je suppose que c'est là. On améliore son matériel? Non. Matériaux utiles, matériaux récupérés. Ok. Bon, il n'y a que le piolet donc. Acheter. Après. Terminé. Renforcement 100%. Compétent, il reste un point de compétent. Fouillez attentivement les cadavres pour récupérer. Fouillez les caisses, les gars. On va prendre ça. Les matériaux, ça peut être bien ça. Ok. Alors, ici, il y a. Maintenant. Quoi. Améliorer vos armes en récupérer. Ok, bon. Là, on va avoir encore des loups. Qu'est-ce que
merde, il m'a fait peur en plus, c'est con. Ouais, m'a failli. Comment ça m'a gâté, ce... Je sais pas si c'est moi. C'est le micro ou... D'avoir, il y avait une autre quête par là, je me rappelle, voilà. Est-ce que je peux améliorer d'autres? Ok, je suis prête. Est-ce que je peux voir la quête avec l'arc violet? Si je peux améliorer arc long, un peu de tir renforcé. Corde renforcée. Arc renforcé peut maintenir plus puissant et un peu plus rapide. Bon, plus rapide déjà que je suis mauvais avec ça. Ok. Le violet il reste quoi? Effet et dernier tenu. Non, c'est bon, c'est mort. Allons-y. Oh. C'est plus long ou quoi? Allez, on y va, on va l'aider. On va nous faire mettre dessus, mais on s'en fout. Cette figure féminine sur le portail. Étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la Reine Soleil. Himiko, j'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Ouais. Nous devrions nous mettre en route. Incroyable. C'est bien Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Ah. Ah. Non. Ah. S'il ah. vous plaît. Lâchez-moi. Ah. 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 Non, ne leur résistez pas, Lara. Ah. Ah. Faites ce qu'ils demandent. Daimni Kistaler. Oh, c'est pas drôle. Idi. Пошла! Mais qui êtes-vous, enfin? Qu'est-ce que Тихо! Lara! Allons-nous vous слухать, мочи! Leur faites pas de mal, je vous en prie! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру! Je me rappelle ta sœur. Lâchez-la! Lara, cours! Non! Non! Accroupis-y! Accroupis! Encerclez-les. Essaye de t'enfuir. Mettez-vous à quoi? Mettez-vous à quoi derrière les objets qui vous arrivent à la taille. Là! Je vais voir! Ouais, alors c'était peut-être pas ça le but du truc, je l'avoue.
Amène la prisonnière. Fais pas de bruit. J'en occupe. Если эти не захотят сидеть тихо, вали все. Tu penses te cacher, poupette? От меня не уйдет. Tu t'enfuiras pas de moi. Hey, ты. Et toi? Выходи давай. Sors de là, vas-y. Et ne me mets pas en rage. На тоже была парада счастья. Changer d'arme. Là, arc. D'accord, pistolet. Est-ce que j'ai des trucs à prendre par là? Pistolet. Non. Arc. Ah ouais, non, ça marche. Ok. Arc. Pistolet. Et puis munitions aussi. Bon, arc. Arc.
Non, on va pas lui mettre en vie. Un mec à arc, un Lara, mec à... Tu es là? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que toi bien? Oh mon dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Ou je vais défiler dans les murs. Apparemment, Nico a réussi à fuir vers la forêt. On va avoir droit à une petite partie de chasse? Non, je crois pas. C'est pourquoi? C'est tout. Il y avait un passage là-bas. En fait, le plus rapide, c'est de ce côté encore. Là-bas, il y a un passage, j'ai vu.
là. Pas vu les deux autres fois. Nous nous sommes échoués sur l'île. La pluie et le vent nous ont... dans un coffre. C'est aussi banalisé. Alors je crois que je viens d'en bas. Regarde. Bon. Avançons. C'est un coup par là après. Ah, il y a un passage là. Un
après. Alors. Ouais, c'est pareil que j'arrive. Ah! Merde. J'ai dit merde, pas menu. Ouais, j'ai compris. Allons-y, avant. On peut pas courir plus en fait, c'est ça qui est chiant. On continue donc. Jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Okay. Eh oui. Approche. Pas alors. Approche. Un petit peu de temps. Non. Ne me fais pas ce coup-là. Pas maintenant. Passage, mais n'a rien. Bon, là. Ah.
plan, ok. Un marine américain. Un marine américain. Dans une boîte. Il y a tout un concept avec cette boîte, hein. Ouais, je pense qu'il faut avoir un arc avec une corde pour pouvoir. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Même. Même mon truc qui est en train de biper. Ma manette. Oh, c'est trop simple. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Là, ça va commencer à être. Oh.
Ah d'accord, bon, bah, y a un tombeau, mais je ne peux pas y accéder. Enfin. De revenir que d'y aller. Bon, je vais te remettre sur pied. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Serveuse de nuit, hey, Lara Croft. Tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais... sois prudente, Lara. Dans la cascade. Je peux y arriver. Donc, allez, voyons voir ce qu'il y a.
putain, c'est... Ah. Bonjour. Des stalagmites et des stalactites. Des colonnes. Il y a quand même... ça s'appelle la femme de ménage qui doit passer, hein, parce que les lumières sont encore allumées. Ah. Heureusement que Ross m'avait préparé. Mettons... Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. Chasseur. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Compétence. Il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent, ils recrutent. Mais pourquoi ? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénèrent-ils ? Que veulent-ils ? Que cherchent-ils ? Non, j'ai pas envie de piocher ce que je peux. Non, il y a que ça. Les compétences. Survivant, dessus, chasseur, instinct, on va dire là, capacité de munition, voilà, c'est bien, magnifique. Ok. Silhouette dorée, les servantes de la reine solaire. Alors ici on comprend ce qu'il faut faire. Des trucs dans pour que ça s'adoucisse et que ça fasse le levier. Ah. Monsieur. Ah, il faut que j'enflamme. Thank you.
peut-être été construit en l'honneur de ses prêtresses. Incroyable. Récupère un truc de toute façon. Pour vous qui est. Ok. On commence à avoir une vue d'ensemble. Bon. Ah, je peux remonter, je savais pas. Ok. C'est pas facile à manier. Bon. Arrêtez là pour être un café de pizza, on va juste augmenter nos compétences. Après on revient d'ici une petite heure. Le temps de faire une pause. Alors est-ce que Arc pas l'améliorer plus pistolet. Ouais mais il est pas encore assez bon. Ça c'est quoi? Rafale, non. Dans une demi-heure et...